on est en train de vivre la finale de la 5e édition du tournoi interquartier de la ville de Rabat. C'est un tournoi dont on tient beaucoup dans son organisation, dans son sens, dans sa philosophie. L'objectif premier de ce tournoi, quand on a démarré il y a 5 ans, étant de se rapprocher de la population de Rabat, que le FUCH joue son rôle pleinement de club citoyen et d'être un peu cet animateur de la cité, hein, au sens animateur, c'est au sens faire des choses dans la cité, faire des choses au niveau de la ville de Rabat. Donc aujourd'hui, on est face à un tournoi qui fait à peu près 32 équipes, beaucoup de joueurs, beaucoup d'encadrants, une animation au niveau de la ville. Et donc c'est un premier objectif. Le second étant essentiellement, ça peut paraître un peu utopique, mais vraiment on y croit, c'est de repérer des bons joueurs, de repérer, comme on dit, des pépites, des joueurs qu'on n'a pas vus de par ailleurs. C'est arrivé, il y en a quelques-uns qu'on a eu à laisser au niveau de notre centre de formation. Donc notre direction technique, notre centre de formation est présente au niveau de ce tournoi, dans l'organisation, dans le repérage, de manière à ce que rien ne manque. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'en faire un projet global pour la ville de Rabat et pour le club du FUS. اليوم ربحنا واحد المباراة اللي كانت نهائي والحمد لله قدرنا نربحوها وحنا دابا فرحانين بهذا الانتصار. هذا الدوري هو دوري الاحياء، مزيان اللعابه كيتلاقاو فيه كيتعارفوا وكيلعبوا كره وكيقدروا انهم يكملوا في المستقبل ديالهم ديال الكره. هذا الفوز نادي النادي الفاتح وصحابي وغارديان ديالنا. هذا دوري نتاع اللي تتنظموا الفاتح، دوري مزيان معروف الدوري في المغرب، و تيطلع دراري و تيبينوا فرق جداد. واحد الشعور كما اللي احساس الوالدين ديالي والمدرب. احنا كنشكروا اولا فريق الفتح الرباطي على تنظيم هذا الدوري اللي كانوا فيه، شاركوا فيه عده جمعيات. كنشكرهم على التنظيم اولا، كنشكرهم على السهر باش هاد الوليدات يفرحوا اول حاجه، ثاني حاجه باش يرفعوا من المستوى التنافسي ديال هاد الاطفال بيناتهم ويتعرفوا على الاجواء ديال الكره ديال النصف احترافيه بالجمهور بحضور مسؤولين بهذا الشيء كله. هو كنشكرهم جزيل الشكر.